Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle série, nouvelle vidéo sur Conflict of the Star. Je fais cette petite série durant petite punition de YouTube pour en dire comme ça. Tout simplement car c'est un jeu à quel j'ai joué beaucoup lors que j'avais ma PS2 et que j'y jouais beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est The Storm? C'est un jeu qui date de 2002, dont c'est assez moche. Mais c'est à la fois quand même bien fait pour un jeu de 2002. C'est un jeu d'action, stratégico-tactico, non, voilà. On peut contrôler de une personne à quatre personnes, tout en même temps. Tout l'aspect stratégique où on peut mettre certains unités, comment dire, à certains endroits de la map pour qu'ils vous courent et que sais-je. Donc nous allons commencer cette petite campagne en mode en joueur. Je vous préviens déjà, je ne fais pas le mode entraînement tout simplement parce que on va. Je l'ai déjà fait, donc vous ça vous sert pas à grand chose. C'est inutile, donc on va faire commencer directement la campagne tempête du désert. On va le mettre en moyen. Et là on peut choisir entre les SAS ou les US Delta Force. Alors comme direz-vous, y a-t-il quelque chose qui change si on prend les SAS ou les US Delta Force? Et ben franchement avec vous, rien. Juste le vêtement, il n'y a rien qui change. Mais vu qu'on a Jones American, on va prendre les Américains. Donc c'est parti pour les Américains. Le 24 juillet 1990, les forces irakiennes ont commencé à se rassembler à la frontière koweïtienne. Les négociations n'ayant débouché à rien, des équipes des forces spéciales des Nations Unies ont été envoyées au Moyen-Orient. Le 2 août, l'Irak envahissait le Koweït. Lorsque les chars irakiens ont traversé la frontière, les forces spéciales ont été déployées. Tout ça. Ça passe le 2 août 1990 pour nos colloques français. Allez, c'est parti, je vous laisse pour la mini sémétique. 23h, 2 août, j'ai pas eu le temps de lire frontière entre le Koweït et l'Irak. Dépêchez-vous de poser le C4, s'il nous voit, on est fichu. Je l'ai, encore quelques secondes. Alpha 2 ici, Vautour 3. Selon le dernier message de Follet, il se trouvait au nord du pont. Récupérez Follet, faites sauter le pont et revenez pour l'extraction. Bonne chance. Terminé. Bien reçu, Vautour 3. À plus tard. Terminé. Cinématique de malade. Bon. Secourir. 2 secondes. Paul Hoy de Lang Follet, l'un de nos meilleurs tireurs d'élite, a été capturé alors qu'il tentait de détruire l'un des ponts situés sur la frontière entre le Koweït et l'Irak. Ce pont doit absolument être détruit afin de ralentir la progression des Irakiens. Nous ne disposons pas de suffisamment d'hommes pour organiser une opération à grande échelle. Un individu devrait pouvoir s'infiltrer dans leurs forces de défense, localiser et libérer Follet. Pour détruire les ponts. À la fin de la mission, revenir à la zone d'atterrissage pour une évacuation par hélicoptère. Bon, en fait, je fais l'air étonné, mais j'ai pas. Je l'ai déjà fait. La mission. Follet est détenu dans un petit bâtiment au nord-est du pont. Prenez le contrôle de la zone et libérez Follet. Les services de renseignement indiquent que la meilleure approche serait par le lit de cette rivière asséchée.
Ce poste de contrôle frontalier est très bien protégé et doit être évité à tout prix. Quand Foley a été capturé, les gardes lui ont pris ses explosifs plastiques C4. Retrouvez-les et faites sauter le pont. Utilisez le C4 pour détruire les têtes centrales supérieures du pont. Revenir à la zone d'atterrissage avec Foley pour une extraction par hélicoptère. Ok, ok, bon voilà, un petit peu à quoi ça ressemble. Je crois qu'il s'est mis en visée automatique. Oh putain, ça c'est chiant ça. Option souris. Accélération. Non. Ça va. Le face se remet. Parce que ça se bloque. Ça bloque. Donc, nous avons un petit équipement. On doit l'utiliser à bon escient. Parce que nous n'avons quasiment aucune autre arme, à notre disposition. Oui, quelquefois, sur cette mission, il y en a K-47, je vous spoil déjà. Mais bon, voilà. Bon, là, c'est la toute première mission dont je vous verrai pas trop l'aspect stratégique du truc. On va essayer de se le faire infiltration. Sans trop crever, ça serait encore bien. Je fais l'air étonné, mais... Ils viennent tous de se faire bombarder par des drones. Et on va prendre les jumelles. Il y a un mec qui vient de se téléporter. Ok. Bon, je sais bien qu'il y en a deux parce que j'ai déjà fait la mission maintes et maintes fois. Et quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que un jeu, quand je l'avais sur PlayStation 2, il était en anglais, je sais pas pourquoi. Je trouvais que c'était bien doublé. Doublé, comment ça peut être doublé? Bon, enfin bon, bref. Les voix étaient bien, la VO, voilà. Pour les puristes, la VO était splendide. Pour moi, c'était splendide. Alors là je viens de revoir la VF qui est complètement merdique. Donc, ne vous étonnez pas si vous trouvez ça dégueulasse. Bon, c'est parti, on va le faire en mode bonsaï. Ok, à chaque fois qu'on recharge, c'est un chargeur qu'on perd. Hein. J'aurais pu faire ça comme ça, mais c'est nul. En plus, c'est trop facile quand on fait comme ça. Ok. Prendre le petit flingue et on va avancer pour voir s'il n'en reste pas. Ce serait quand même con. Ok, il y a juste une trousse de soins. On peut dire c'est en arma niveau très 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 facile. Hein. C'est assez réalisme sans trop, vous voyez, parce que là je me soignais comme ça. Sans trop de peine. Ok, on continue. Ok, il y a deux hommes là-bas. On va les attendre. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ok, c'était moins une, mais on y est arrivé. J'y suis arrivé. Ok, je vais pas trop regarder là-bas. Oh, il y a des piquettes! Des piquettes! Merde. Ah, pourquoi je recharge? Ok, on va égorger la piquette. Normalement on peut le tuer, non? Si, hein. On a tué la
Bigode. Bigode de l'extrême. Ok. Donc, on va se soigner. Les chutes sont dans réalisme. Hein. On fait un saut d'un mètre par la moitié de sa vie. Le mec, un torse, tibia détruit. Mais bon. On dira rien, on dira rien. Et je crois que j'ai diminué le son parce que. Voilà, je crois que c'est mieux. Ok, on entend en tank. J'ai un bazooka, première mission, pas trop dur. Ok, c'était nul comme tir. Soldat en face, mais il est mort, c'est le principal. Ok. Le char. Ok, l'alerte a été donnée. On va pas trop rester ici. On fait tirer d'où? Ok, on l'aura plus tard, je vais pas gaspiller toutes mes munitions pour cela. Ok. Bon, si vous posez la question, non, je peux pas ramasser les munitions numériques et prendre son arme. Quand je vous dis les tirs, je suis en moyen, j'ai perdu la moitié de ma vie à cause de deux balles. C'est à moitié réaliste sans vraiment l'être. Idée. Bon, je vais pas dire c'est une révolution, hein. Le jeu est à moitié merdique pour moi. Mais ça vaut le coup d'être pas trop dégueu pour 2002. Hein. Regardez quand je vous dis qu'il y a des armes. Regardez, là. Mais bon. Ça a l'air... C'est mieux, c'est vrai que c'est un jeu multijoueur, hein. Chacun prend... Chacun prend un personnage, là j'en ai qu'un mais il y en a quatre, avec chacun une spécialité de base qui est le sniper, le soutien et le saboteur. Hein. Moi, je sais pas vous... Déjà, je vous l'ai déjà dit, donc, hein. Vous en doutez. Ok. Il nous a pas vu. Ça va. Mais le jeu a l'air assez, je veux dire, poussé dans l'histoire que c'est un Arma avant d'être un Arma. Le réalisme, pas le réalisme de tir, hein, c'est un gros faisceau lumineux, hein, les tirs. Mais bon. Deux balles, vous êtes mort. L'aspect où on doit gérer son équipement, ça c'est bien. Ça se voit pas trop sur cette mission-là, ni celle qui sera après. Ok. Ah, il y a un avion. Ok, it's dirt. Ok, ok. On va libérer notre pote qui est coincé. Et là, je vais pouvoir vous montrer. Le réalisme de ce jeu. Quand je vous ai dit,
C'est pas très poussé. C'est pas notre but. Ok, on a que 5 balles. Donc, de son rechargement. Et un hélico. Faut dire que l'hélico, c'est pas tout le temps qu'il est là. Oui, il peut tirer. L'hélico peut tirer. Regardez, mon KP, je peux le faire. Je lui demande de tirer à volonté ou non. Là, il est, je l'ai laissé stoïque. Ah. Il va tirer sur les premiers ennemis qui bougent par là. Et moi, je vais voir s'il n'y a pas des munitions de ce côté-ci. Non, non, non. Non, là, il me demande d'appuyer sur F1 pour savoir où ils sont. Ça, je l'utiliserai. Je vais pas dire jamais. Mais, vu qu'il te montre déjà au début où il faut aller. Et que c'est quand même des longs couloirs. Ça, moi je trouve que ça en vaut pas la peine. Ok, on peut y aller. Avec moi, avec moi. Et je vais lui demander de pas tirer. Ça serait bien que ça soit un peu réaliste. Ok, baby. Bon, vu que je connais un peu la mission, hein, je crois que c'est la seule mission où je vais un petit peu préparer mes hommes. Par exemple, ici, je vais laisser ce personnage-là de ce côté-ci. Je vais reprendre le premier. Laisser le sniper ici pour qu'il me couvre pendant que je vais poser des charges et tout. Donc il y a un peu de stratégie, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Pas très poussé, ouais, mais un peu stratégique, hein, pour mettre ses hommes là où il faut. Donc, est-ce que je... Ok. Mais il a l'arme alors que... Infanterie en approche. Ça, je vais quand même le laisser. En fait, je voulais qu'il me couvre pour aller prendre la mitrailleuse là. Parce que je vous dis, c'est un peu... Des fois, c'est un peu aléatoire. Les ennemis, ils peuvent spawner un petit peu partout dans cette base-ci. Donc... On va reprendre le deuxième. Pendant qu'il va nous couvrir la grosse mitrailleuse. Là, vous allez voir les sauts... Non, en fait, je peux pas sauter. Vous allez voir les chutes. Complètement abusé. Oh, ce tir! Ce tir! Ok, je les ai tous eus. En charge. Ok, pendant qu'il me couvre mon coéquipier, j'avance. Oh putain, je l'avais complètement oublié celui-là. Ok. Tant de réalisme dans ce jeu. Ok. Allez, trop du cul. Suis-moi. C'est soigné. Là, il y en a un. Le tour après. Il est mort. Il est mort aussi. Ils sont tous morts. Ok, moi je vais laisser ce personnage là ici pendant que je vais amorcer le C4 de l'objectif sur le pont. Ok, ça c'est fait. Oh, j'avais jamais vu ce truc là.
Ah, c'est un truc, on peut pas aller. Non. Ok. On va pouvoir actionner. Ça va sauter ! Ça. Donc, c'est Destroy. On demande à l'autre de nous suivre. Il y en a un autre là. On l'attend avec ça. On fait un. Gotcha, là. Il est mort. Le mec recharge. Ok, mais... Allez, follies. Bon, j'espère que... Parce que c'est un petit peu aléatoire, ça peut... Les chars peuvent apparaître à certains endroits... C'est sur cette map-ci, ben, y a pas vraiment trop d'aléatoire, par exemple... C'est... Celui-là, il... Celui-là qui vient de descendre... La dernière fois, il a pas descendu, il était même pas là. Donc c'est un peu aléatoire. Comme je vous dis, les ennemis, des fois il peut avoir du char et tout. Si vous avez eu la démo sur PS2, je vous préviens déjà d'office. En fait, la démo de The Storm sur PlayStation 2, ben, tout ce côté-ci n'existe pas. Si en fait on... J'ai en train de dire une petite connerie. Si on commence de là-haut, ici ça n'existe pas. Le pont n'existe pas. Pff, ça c'est. En fait, c'est l'alpha de cette map-ci en fait. Voilà. C'était le petit point culture de Dolbougre. Voilà. Ok. Okidoki, c'est mouille. Eh ben on a fini la première mission, les gars. Voilà, je l'ai tué. Parce que le réalisme de réanimation... Ok. Bah voilà. Mission réussie. Promis. L'expérience augmente. Adjudant et... Remise d'une médaille. Et maintenant, normal. Spécialisation. L'expérience augmente. Et maintenant, normal. C'est-à-dire qu'avant que ça t'a un trou du cul, un handicapé... Fantassin. Un pistolet C2. Ok. Mission co tirée de 347. Total des coups, précision, j'ai été hyper précis. Coup sur le torse 39, infanterie 29, il y avait 29 mecs. Chapeau. Donc, voilà. Donc, moi je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de combat de judo. On va essayer de continuer Desert Storm. Je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures, c'était Dolbook pour la chaîne de combat de judo. Salut tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de regarder les autres vidéos, c'était le beaucoup plus chaîne de commande de jeux vidéo. Et pour information, je tourne ça bien avant le 24 septembre. Donc ne demandez pas des petites astuces pour la suite. J'aurai déjà fini, à mon avis, le jeu quand les vidéos sortiront. C'était de la beaucoup plus chaîne de commande de jeux vidéo. Salut tout le monde.